Mon continent n'est jamais content. C'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes s'indigner. Oh, pourquoi ils ont mis Nicolas Nkoulou? Nicolas Nkoulou n'a rien joué. Chut, calmez-vous. Même les gens qui n'ont même jamais joué au 2-0, même les gens qui n'ont même jamais dribblé dans le football du quartier, qui n'ont même jamais joué même les boîtes de tomates, commencent à parler de Nicolas Nkoulou. Nicolas Nkoulou a bel et bien sa place au mondial. Qatar 2022. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Parce que vous n'êtes jamais content. Le Camerounais n'est jamais content. Il doit seulement gagner. S'il perd, c'est un problème. C'est-à-dire donc qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde est devenu entraîneur. Je vois déjà les multiples Rigobertson, les multiples Samuel Eto'o. Tout le monde veut devenir le président de la FECAFOOT. Tout le monde veut avoir la place de Rigobertson. Et il y a un seul entraîneur des Lions Indomptables qui s'appelle Rigobertson Bahanak. Il connaît son rôle. Il sait ce qu'il fait. Donc, lundi, supportons juste les Lions Indomptables du Cameroun. Arrêtez de donner vos avis parce que avant vous étiez où? Si vous étiez aussi des bons entraîneurs, pourquoi vous n'avez pas entraîné l'équipe nationale du Cameroun? Qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Cameroun? Je vois d'autres personnes s'indigner, ils courent à gauche, à droite, ils bavardent beaucoup. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Il y a les jeunes talents encore là-bas au Cameroun, hein, qui ont besoin de vous. Hein. Achetez ne serait-ce que les ballons. Organisez même seulement les interquartiers, les petites coupes du village. Vous qui bavardez là. Et il y a un musicien là, je ne sais pas si les musiciens, si les interprètes, si les quoi là. Le monsieur là. Il n'a jamais organisé ne serait-ce qu'un championnat dans son village. Mais c'est lui qui parle de la Coupe du Monde au Qatar. Mon frère, tu es devenu qui? Tu espères ouvrir même une école. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour les jeunes talentueux petits enfants qui sont au Cameroun? Pose publicitaire pour avoir une belle peau, une peau propre, une peau sans hydroquinone. Commande la gamme de produits cosmétiques Suze Chic qui est fait à base du collagène de l'aloe vera. Il y a le gel douche qui vous nettoie la peau. Il y a la crème du visage aussi. Il y a l'huile qui est faite à base de la bave d'escargot. La crème du visage qui vous enlève toutes les imperfections de la peau. Vous pouvez l'utiliser en famille, père et mère et enfant. J'envoie les colis partout. Vous pouvez commander dans le site internet suzechic.com ou au plus 33 6 56 81 43 32. C'est-à-dire que dans mon continent camerounais, tout le monde est entraîneur, tout le monde est le président de la FECAFOOT, tout le monde doit ajouter son grain de sel. Ils ne sont jamais contents. Depuis que, oh, il faut mettre un gandeux, mais va chercher un gandeux, tu le mets au stade. Hein? Celui qui entraîne là, l'entraîneur là, c'est ton égal, c'est un homme comme toi. Fais aussi les choses. Vous êtes toujours les commissaires de fonds de travaux, c'est-à-dire que quand les autres travaillent dur pour être au sommet, vous êtes là, c'est là. Quand il faut déjà décider, c'est là où vous voulez décider. Toujours en train, vous n'êtes jamais content. C'est-à-dire que Nicolas Nkoulou, tu as mon soutien. Je te soutiens aujourd'hui, demain et après-demain pour le match de lundi. One, two, three. Vive les Lions Indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, demain et après-demain, ramenez-nous la coupe à la maison. Je sais que vous êtes forts. Que vraiment, les gens qui sont autour des lions là, donnez-leur la bonne humeur. On supporte les lions indomptables. On les accompagne au Qatar et on rentre avec la coupe au Cameroun. Nicolas Nkoulou, tu as tout mon soutien, grand frère. Oui, c'est comme ça et pas autrement. Celui qui est fâché, va sucer le courant. C'est simple, clair, net et précis. Impossible n'est pas camerounais. Lundi, nous sommes ensemble. Bisous.